Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aurais besoin d'un son de piano. Nous restons dans cette atmosphère. Nous allons poursuivre ce que nous avons commencé depuis lundi, depuis mardi, en sérieux. Amen. Alléluia. Excite ta présence. Nous allons poursuivre ce que nous avons commencé depuis mardi en Seigneur sur le thème que nous sommes en train de développer, allume le feu. Amen. Il y a celui qui est à côté, allume le feu. Nous avons parlé mardi sur allumer le feu dans la présence de Dieu, qui symbolisait la prière, l'intimité avec Dieu. Amen. Nous avons expliqué que certains nombres de choses que nous avons avec Dieu ne peut que se révéler dans le feu. Il y a des hommes et des femmes que nous rencontrons, il y a des personnes que nous rencontrons, il y a des relations que nous tissons. Il y a beaucoup de personnes, nous ne connaissons pas leur état d'âme. Pour connaître leur état d'âme, nous devons les amener dans le feu. Et Paul a pris du bois à amener dans le feu. Et c'est dans le feu que exprime la vraie nature de la personne. Et Paul est allé ramasser du bois. Il est temps que l'église, que nous allons ramasser du bois et que nous apportons ce bois dans le feu. Amen. Plusieurs personnes seront délivrées, sauvées, challengées par le feu. Et nous avons vu que le feu était important dans notre vie chrétienne. Et nous avons vu aussi, par rapport à cela, Dieu peut changer la vie de plusieurs personnes qui t'attendent, qui attendent que tu puisses mourir, qui attendent de te voir tomber. Dieu est capable de changer leur avis. Attendez. Amen. Et le Seigneur a fait grâce. Je dis, le Seigneur nous a parlé sur allume le feu de l'amour. Nous devons allumer le feu d'amour, pas le feu d'amour qui passe par tes fins. Alléluia. Mais le feu de l'amour, quelle expression, le caractère de Dieu. Si nous n'avons pas d'amour, nous ne pourrons pas aimer quelqu'un. Nous ne pouvons pas être des fils de Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un n'aime pas, il n'a jamais connu Dieu, car Dieu est amour. La Bible dit qu'il est écrit que trois choses doivent demeurer. La foi, l'espérance et l'amour. Amen. Nous sommes des fils du royaume, nous voulons révéler l'image de Dieu, l'image du royaume, la révélation. La Bible dit que le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Ces fils doivent exprimer l'amour de Dieu à l'égard de leurs prochains, à l'égard de leurs amis, à l'égard de leurs parents. Amen. Alors nous allons suivre ce soir, ce matin. Nous parlons d'allumer le feu afin de manifester la puissance du Saint-Esprit. Nous devons allumer le feu afin de manifester la puissance du Saint-Esprit. Nous allons lire quelques textes bibliques dans le livre de Lévitique, chapitre 5, verset 5 au verset 6. Non. Lévitique 6, autant pour moi. Amen. Lévitique 6, verset 5 jusqu'au verset 6. Nous lisons la parole de Dieu. Le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne se ténira point. Amen. Nous prenons 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17 au verset 19. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Verset 19. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Amen. Nous allons prendre un troisième texte dans le livre de Actes des Apôtres. C'est sur lequel nous allons plus nous baser ce soir, ce matin. Actes des Apôtres, chapitre 3.
à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Nous lisons la parole de Dieu. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé Label pour qu'il demande le monde à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regarda attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant, louant Dieu. Ils reconnaissaient que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quitta pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné a couru vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Amen. Nous allons prendre un dernier texte. Faire lire tous les textes. Genèse. Repartons dans le livre de commencement. Genèse chapitre 4. Verset 1er, verset 5. Nous lisons la parole du Seigneur. Genèse chapitre 4. Verset 1er, verset 5. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai acquis un homme de la part de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voyons dans ce contexte la parole du Seigneur. Nous voulons parler de allumer le feu afin de manifester la puissance du Saint-Esprit. Ici, Jésus est venu sur la terre. Il a passé 3 ans sur la terre. 3 ans sur la terre, il n'a fait que plusieurs choses. Principalement 2 choses. Il s'est mis à enseigner les disciples. Il s'est mis à former les disciples. Deuxièmement, il s'est mis à parler au peuple d'Israël. Il a parlé au peuple d'Israël. Il leur a promis. Il leur a dit beaucoup de choses. Il commençait à parler, enseigner. Les Juifs étaient jaloux, l'ont tué, l'ont crucifié, croyant pouvoir régler leur situation, leurs problèmes, croyant que bon, c'est fini. Mais Jésus fut ressuscité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus fut ressuscité. Jésus va apparaître aux disciples, va leur dire, ne quittez point Jérusalem. Restez à Jérusalem. Restez-y. Ne partez pas. Ne quittez pas Jérusalem. Il a passé plusieurs temps avec eux. Et la Bible dit, Jésus fut monté au ciel. Et le jour de la Pentecôte, les disciples étaient dans la chambre haute. Ils étaient en train de prier avec les femmes. Ils étaient en prière. Le jour de la Pentecôte, la gloire de Dieu va descendre. Ils avaient comme des langues de feu. Ils commençaient à parler. Ils commençaient à exprimer le feu de Dieu.
le Seigneur commença à les remplir de la puissance d'en haut. Parce que Jésus leur disait davantage, il est mieux pour moi que je m'en aille et que je vous envoie le Saint-Esprit. Il est très avantageux pour moi de partir vers le Père. Parce que celui qui vient après moi, il est important, il vous conduira, il vous enseignera, il vous dirigera, il va vous aider. Il a dit, il est très avantageux pour moi de m'en aller. C'est-à-dire pour nous, les disciples, il était très avantageux que Jésus aille au ciel. Alors il dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je vous envoie le Saint-Esprit. La puissance d'en haut. Paul va dire aux Thessaloniciens, ne tenez point le Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, les disciples seront remplis de la puissance d'en haut. Remplis de l'onction de Dieu. Remplis de la puissance. Ça ne veut pas dire pendant que Jésus était là, ils étaient remplis. Non, ils étaient vrais remplis, mais ils n'avaient pas compris ou bien atteint la plénitude. Parce que lorsque Jésus était là, lui-même il était la plénitude. Eux, ils ne pouvaient pas atteindre la plénitude. Et c'est pour cela qu'il dit, il est mieux pour moi que je m'en aille. Pour que vous recevez la puissance, vous recevez la plénitude et que vous fassiez les mêmes choses que moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Alors les disciples vont recevoir la puissance, l'onction de Dieu. Ils vont expérimenter les trois dimensions de l'onction. L'Esprit viendra sur eux. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se venant sur vous. L'Esprit de Dieu, la première dimension, c'est qu'il vient sur eux. Donc la Bible me dit, la gloire, la Bible dit que l'Éternel me oua pour. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oua pour. L'onction de Dieu sur toi te oua. Ce n'est pas pour aller dans les bois de nuit. Ce n'est pas pour détruire pour autre chose. Mais c'est pour une mission. C'est pour une destination. C'est pour une mission que Dieu te donne l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oua pour apporter la bonne nouvelle. Plusieurs nous avons éteint l'Esprit de Dieu. Nous l'avons frustré. À cause du péché. Nous verrons tout à l'heure. La deuxième des choses, la deuxième dimension de la puissance de l'Esprit, c'est que la Bible dit, l'Esprit du Seigneur sera avec vous. Le Saint-Esprit est avec toi. C'est pour ça que lorsque tu pries dans tes faiblesses, il t'aide à prier. Alléluia. Lorsque tu marches, il est avec toi, il t'aide. La Bible dit, dans mes faiblesses, il nous aide dans la prière. Le Saint-Esprit de Dieu est avec toi pour faire quoi? Pour te consoler, pour t'orienter, pour te diriger, pour t'enseigner. Il est avec toi pour t'enseigner. Même si tu n'as pas un pasteur, même si tu n'as pas un frère à tes côtés, mais celui qui est avec toi, il est un homme invisible. Il n'est pas une puissance, mais c'est une personne. Il marche avec toi, il est avec toi, il t'enseigne. La troisième dimension de l'Esprit, c'est qu'il vit en toi. Pour que tu révèles Dieu, pour que tu révèles la puissance d'en haut, pour que tu sois un homme incontournable, pas seulement incontournable sur la terre, mais parce que celui qui vit en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. L'Esprit de Dieu est en toi. Tu transportes le gouvernement de Dieu. Tu transportes la Shekinah de Dieu en marchant, en dansant, en préparant, en faisant quoi? Même dans ton boulot, même à l'école, même si ça ne marche pas. Mais le Saint-Esprit avec toi, il peut te révéler les choses qu'on ne t'a pas enseignées. Il y a eu un homme avec l'esprit supérieur. Pour lui, c'était seulement sur lui. Mais il pouvait expliquer des choses qu'il n'avait jamais appris. Joseph n'avait jamais appris la comptabilité. Joseph n'avait jamais été à l'école supérieure d'économie. Mais il avait la puissance d'en haut. Alléluia. Okambarabaweshi. L'esprit du Seigneur. Le Saint-Esprit sur nous. Il est avec nous. Tu marches avec lui. Mais plusieurs personnes, pendant que nous marchons avec le Saint-Esprit, nous l'avons éteinte.
il ne parle plus. Parce que le moi a pris du dessus. Parce que le moi a pris tellement de l'ampleur. La Bible dit que les désirs de l'esprit sont contraires à ceux. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Alors revenons dans cette histoire. Les disciples vont recevoir la puissance. Et la Bible me dit, c'était le jour de la prière. Nous sommes au temps de la prière, frère. Prophétiquement, c'est le temps de la prière. Alléluia. C'est le temps de la prière. La Bible dit que c'était à l'heure de la prière qu'ils montèrent au temple. C'était quelle heure? 9e heure. Le chiffre 9 me dit le chiffre de la maturité. Alléluia. Et nous sommes aujourd'hui au temps de la maturité. De la maturité du quoi? Du péché. Le péché atteint des normes qui dépassent ce qui se faisait même hier. Nous sommes au temps de la maturité du péché. Le péché qui, moi je le définis souvent, le péché veut dire, le P veut dire une puissance. Le E veut dire échec, d'égarement. Le C veut dire conduire, H, homme. Et le dernier échec. Le péché est une puissance d'égarement qui conduit tout homme à l'échec. L'échec, c'est l'enfer. C'est-à-dire quand nous désobéissons à Dieu, la parole de Dieu, lorsque nous transgressons la parole de Dieu, nous vivons l'échec. Nous sommes en train de nous égarer vers Dieu, loin de Dieu. Le péché a pris de l'ampleur aujourd'hui. Où nous voyons l'homosexualité. Il y a tellement de choses qui prennent de l'ampleur. Dans les foyers, le péché a pris de l'ampleur. Il y a la méfiance, il n'y a plus de confiance. Il y a l'adultère, il y a l'hypocrisie. Les mêmes gens qui dorment ensemble, il y a l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que le péché s'est installé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? Le péché s'est installé. Les hommes trompent leurs femmes. Les femmes trompent leur mari. C'est pas parce que ton mari n'a plus d'argent. C'est pas parce qu'il ne travaille pas. Mais que tu ne te contentes plus de ton mari, mais que tu vas ailleurs. Aujourd'hui, le péché s'est installé même dans l'église. Nous avons plus la foi en Dieu, que le Dieu de miracles, qui est capable d'ouvrir des portes fermées. Mais nous commençons à utiliser d'autres voies, des voies de l'échec, la voie du compromis, la voie du mensonge, la voie de la corruption. Alléluia. Où est Dieu? Où est la puissance de Dieu? Si l'église, qui devait révéler l'image de Dieu, commence à marcher dans le mensonge, ça veut dire qu'il n'a plus la vérité en nous. Et nous sommes devenus les fils de celui qui a menti le premier. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me saisit? N'es-tu pas acclamé le Seigneur pour toi-même? Nous sommes à l'âge de la maturité du péché, frère. Le péché prend de l'ampleur. Il y a maintenant le distinct. La discrimination. Le péché bat le plein. Même les sondages démontrent aujourd'hui. Les hommes veulent aller vivre. Aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes qui préfèrent des animaux, des appareils que les hommes. C'est grave. Amen. Le péché est en train de prendre l'ampleur, bien-aimé. Le diable ne dort pas. Nous sommes au temps de la maturité du péché. Où plusieurs personnes sont en train de perdre leur image de Dieu, des chrétiens. Et c'est devant cette phase que Pierre et Jean étaient en face de ce monde. Nous sommes en face d'un monde qui est rempli, qui s'est assis par le péché. Tu ne l'as jamais constaté toi-même? Pose-toi une question. Pose-toi simplement une question. Dans les années antérieures, est-ce que la puissance de l'occultiste et du sataniste était comme aujourd'hui? À l'époque, même pour connaître celui-ci, était un sataniste, rosicrétien, franc-maçon, peu importe. C'était difficile de le connaître. Mais aujourd'hui, ils font l'évangélisation. Alléluia.
C'est pour te dire que le péché bat le plein. J'étais tourmenté de rencontrer quelqu'un qui fait l'évangélisation porte à porte pour des sectes. La FPU. Il rentre dans les maisons. Il rencontre les jeunes pour leur dire, si tu veux de l'argent, si tu veux ceci, viens, viens prier avec nous. Alléluia. Alléluia. Pendant ce temps de maturité du péché, l'islam bat le plein. L'islam est en train de battre le plein jour après jour. Il y a des mosquées qui s'implantent. Les chrétiens reculent. Les chrétiens assistent. La sorcellerie bat le plein. L'envoûtement bat le plein. Le fétichisme bat le plein. La magie bat le plein. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible dit, Pierre et Jean, les personnes de même nature que toi et moi, étaient face à un boiteux, un paralytique. C'était à la 9e heure. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de boiteux. À l'église, il y a des boiteux. Dans le monde, il y a des boiteux. Des hommes qui sont boiteux dans le péché, qui sont envoûtrés dans le péché. Ils vont se présenter devant ce boiteux. Ils ne vont pas se présenter avec autre chose, avec de l'arsenal. Ils vont commencer à fixer le boiteux. Aujourd'hui, vous remarquerez que les boiteux, vous parleront que de l'argent et de l'or. L'argent, c'est-à-dire, si tu veux avoir de l'argent, donne ta vie, donne tes os, donne ta mère, donne ceci, tu auras de l'argent. Alléluia. C'est ça le boiteux. Il était là, faisait que demander quoi? L'argent, le monde. C'est ce qu'ils font tous les jours. Ils vont vous faire demander qu'on peut te donner de l'argent. Ce sont des boiteux. Il y a même des hommes de Dieu boiteux qui ne parlent que d'argent. Alléluia. Il y a des chrétiens aussi boiteux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer l'argent. Non plus, non. Mais ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est le salut. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et tout vous sera donné par-dessus. Est-ce que quelqu'un me saisit? Es-tu pas acclamé le Seigneur pour toi-même? La Bible dit, à la 9e heure, ils vont dire devant le boiteux, ils vont se présenter. Parce que Pierre et Jean avaient commencé à développer avec eux une intimité puissante avec le Saint-Esprit. Ils venaient d'être remplis du Saint-Esprit. Ils étaient en train de passer des moments puissants. Parce que dans Actes 2, on nous parle de la naissance de l'Église. On nous parle comment l'Église était maintenant assise. La Bible dit qu'il se faisait beaucoup de miracles par les apôtres. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient en commun. Ils persévéraient dans les enseignements, dans la fraction du pain, dans les prières et dans la communion fraternelle. Il y avait la crainte de Dieu au milieu d'eux. C'est cette nature qui maintenait la puissance de l'esprit en eux. La crainte de Dieu. La Bible dit que Dieu ajoutait chaque jour. Aujourd'hui dans l'église, au lieu que Dieu ajoute chaque jour, mais le monde est en train de déraciner dans l'église chaque jour les hommes. L'enfer est en train de se peupler. Le royaume se dupe. Alléluia. Étant donné qu'ils ont placé, ils ont passé plusieurs temps dans la présence de Dieu, ils ont compris que c'était l'heure de la prière. Ils vont se présenter. Ça veut dire, avant, ils avaient ce paralytique. C'est-à-dire, avant ce jour-là, ils avaient ce paralytique. C'est-à-dire, avant ce jour, quand ils passaient, ils avaient vu le paralytique. Mais là, il y a eu une révolution qui se fait. Ils disent non. Avant, on n'avait pas la puissance.
Avant, on n'avait pas l'intimité avec l'Esprit. Avant, on n'avait rien. Mais maintenant, on a quelque chose avec l'Esprit. On ne va pas se contenir. On va pas... Non! On va être enthousiasmé. On va prendre notre courage. Parce que la Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. Ils avaient vu le paralytique peut-être lundi, mardi, mercredi. Mais si c'était le dimanche, ils ont dit non. Tous les jours, on est passé par là. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ils en avaient marre. On en a marre d'entendre les gens. On a marre de voir que l'islam prend de l'ampleur. On veut que l'évangile prenne de l'ampleur. On veut que l'évangile s'étende. On veut voir la gloire de Dieu. Jésus a dit, allez dans les nations. Nous n'avons pas reçu l'onction de Dieu pour chauffer les bancs, mais nous avons reçu l'onction de Dieu pour gagner les âmes. Nous avons reçu l'onction de Dieu pour parler de Jésus. Pas pour critiquer l'église. Nous sommes en train de critiquer l'église. Nous voyons XY tombe. Nous parlons du mal. Non! La Bible dit quoi? Quand Jésus est mort, les femmes ont pris des parfums et des aromates. Comment est mort? On va les parfumer en aromates. Non! Alléluia! Jésus était mort, mais ces femmes ont pris une dimension prophétique. Elles ont pris des parfums. Les parfums qui sont l'image de la prière. Les aromates, l'image de l'adoration. C'est-à-dire, lorsqu'on a un frère qui est mort, bien aimé de la foi, ce qu'il faut faire, par l'amour de Dieu, je prends les parfums, je prends l'aromate, je me présente devant Dieu, je me présente devant Dieu, parce qu'il y a quelque chose. C'est une signe prophétique. Il y aura la résurrection. Il n'y a pas résurrection sans parfum, sans aromate. Ces femmes ont compris, c'est l'image de l'église. Elles avaient les aromates, elles sont parties. Jésus a compris, non, il est temps que je sors. Alléluia. Si elles avaient fait ça le premier jour, il n'y aura pas d'impact. Elles ont observé le sabbat. Mais quand elles partaient, Christ a dit, c'était trop. Laisse-moi sortir avec les aromates. On va résister les frères qui sont morts, les frères qui se sont égarés. Ils vont se présenter devant ce paralytique. Ils vont lui dire, nous avons nié. Oh. Ce paralytique attend de l'argent. Des Balaam aiment l'argent. Change l'évangile. Ils tendent la parole. Mais ils vont dire, nous avons nié. Oh. Ce n'est pas l'argent qui sauve. Le diable se déguise en un ange de lumière. La Bible dit, il se déguise en un ange de lumière. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous voyons ces grosses sectes qui prônent, qui prennent davantage de l'argent. Ils investissent dans les orphelinats. Ils investissent par là. Ils font ceci, croyant que c'est ça la lumière. Non, bien-aimé, c'est juste des déguisements parce qu'ils sont habitués avec le monde. Lorsqu'ils le font, ils récupèrent quelque part. Alléluia! Mais la Bible dit, Pierre et Jean vont fixer le paralytique. Il est temps que tu fixes ce paralytique. Parce qu'il y a la flamme qui est en toi. Cette flamme ne doit pas rester en toi. Commence à fixer le paralytique. Ils vont dire au paralytique, nous avons ni or. Parce qu'ils ont compris que la vie ne dépend pas de l'argent. Ah, la vie ne dépend pas des opportunités non plus. Ils ont compris, nous avons ni or ni argent. Parce que l'argent ne peut pas changer ta vie. J'ai vu des femmes dépenser tout leur argent parce qu'elles étaient malades. Elles n'ont jamais trouvé la guérison. Cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, elle a dépensé tout son argent. Elle est passée par la main de plusieurs médecins. Elle n'avait pas trouvé la solution. C'est pour te dire, l'argent ne peut pas régler tes problèmes. Même si tu as l'argent, il arrive qu'avec cet argent, toi qui m'écoutes là où tu es, avec l'argent, parfois à minuit tu ne dors pas. Parce qu'il faut se réveiller à minuit pour aller faire des rituels, pour aller faire ceci, pour aller rentrer dans tel tombeau, pour aller faire ceci. Mais j'aimerais te dire, l'argent ne sauve pas. Les biens ne sauvent pas. Alléluia. Mais ils vont fixer le paradis. Ils vont dire aux paralytiques, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons. Bien-aimé dans la foi, tu as quelque chose que tu as. Tu as quelque chose que tu as. Il y a quelque chose en toi que tu as. La puissance de wow. La Bible dit, ils vont dire, nous n'avons ni or, ni argent, ce que nous avons. Qu'est-ce que tu as? Tu as un feu qui est allumé en toi. La puissance de Dieu, il s'appelle le feu dévorant. Lorsqu'il passe, il brûle tout. Il consomme tout. Il consomme tout. Et la Bible dit, ils vont dire, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te le demandons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. La Bible
Bible dit, il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Alléluia. On a vu le nom de Mahomet, ça ne sauve pas. On a vu le nom de XY, ça ne sauve pas. Il y a des présidents qui sont nés, qui deviennent rois, qui meurent, il n'y a rien eu. Michael Jackson est mort, le ciel ne s'est pas arrêté. Mais je connais un nom. Lorsque le nom sous la croix, la Bible dit, la Bible me dit, il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre. Il y avait des ténèbres partout. Parce que le nom terrible mourait. Et le nom n'est pas mort. Par ce nom, nous sommes guéris. Par ce nom, nous sommes sauvés. Alléluia. Lorsqu'il y a eu, l'attentat ici récemment, tout le monde s'est dit, je suis Charlie. Tout le monde. Ils ont crié comme il ne fallait pas crier. Les gens pleuraient comme il ne fallait pas pleurer. Les hommes n'étaient pas ressuscités. Alléluia. Mais ce jour-là, il n'y avait pas « Je suis Charlie ». Il y avait des hommes qui disaient « Je suis Jésus. Je connais Jésus. Alléluia. » Et le nom est mort. Mais sous la terre n'a pas pu le retenir. Parce que la Bible dit « Dieu lui a donné un nom. Le nom le plus puissant. Le nom le plus beau. Le nom le plus merveilleux. Sous lequel tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus a la gloire du Père. » La Bible dit « Il n'y a aucun salut en aucun autre nom. Si ce n'est pas au nom de Yeshua, au nom de Jésus, il s'appelle le pain de vie, il s'appelle le ressuscité, il s'appelle l'étoile brillante du matin, il s'appelle le restaurateur de vie, il s'appelle, oh Jésus, Emmanuel, le Dieu avec nous. Tu es tourmenté ce matin, tu es peut-être bouleversé ce matin, peut-être tu vis des moments terribles. J'aimerais te dire que le feu qui se trouve dans le nom de Jésus est capable de te restaurer, est capable de consumer le problème qui persiste dans ton foyer. Peut-être que tu es stérile, j'aimerais te dire au nom de Jésus, quelque chose se passera. Alléluia. Le nom de Jésus. Le paralytique va se lever, va commencer à marcher. Il se fait quelque chose d'extraordinaire. Lorsque le nom de Jésus nous sauve, nous étions autrefois hors du temple. Ils étaient autrefois hors du temple. Le paralytique n'était pas dans le temple. Il était hors le temple. Ça veut dire hors de la présence de Dieu. Pour rentrer dans la présence de Dieu, il n'y a qu'une seule porte. Les brebis entrent par cette porte. Le mercenaire entre par la fenêtre. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Et j'en voyais au ciel qu'il y avait une porte ouverte. Une porte ouverte sous laquelle les anges montaient et descendent. J'aimerais te dire qu'il y a une porte qui est ouverte. Parce que Jésus te fait rentrer dans le lieu céleste. Et ce que tu as dans le céleste, tu le manifestes sur la terre. Parce que le monde doit voir le céleste en toi. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, Jésus, Dieu ne nous a pas bénis dans le lieu terrestre. Non, c'est faux. Jésus nous a bénis dans le lieu céleste. Mais aujourd'hui, la religion, l'église, est en train de diluer la parole pour faire comprendre au peuple que Dieu nous a bénis dans le terrestre. Il nous a bénis dans le céleste afin de manifester le céleste sous la terre. C'est pour ça que la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Des choses qu'on ne voit pas, ça n'est pas sous la terre, je ne vois pas, c'est au ciel. Et sous la terre, je le manifeste. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu. C'était la 9e heure. Le paralytique va rentrer dans le temple. Plusieurs personnes aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle nous avons lu tout à l'heure. Genèse. Adam avait des enfants. Il avait Caïn et Abel. Chacun d'eux avait apporté l'offrande. Mais vous allez remarquer, la Bible dit, Dieu va porter un regard favorable. Pas sur d'abord l'offrande. Non. Il commence à dire, Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Tu peux apporter tout ce que tu peux avoir. Ce n'est pas ça qui détermine la qualité de ton offrande. Est-ce que quelqu'un me saisit? Si je viens chez toi et que tu me donnes la nourriture, sur une assiette sale, je ne mangerai pas.
Si l'assiette est sale, même si la nourriture est bien faite, bien préparée, bien assaisonnée, à cause de l'assiette, vous ne mangerez pas. C'est pour cela que vous remarquerez, le monde connaît ce principe et c'est pour cela qu'on appelle des assiettes romaines. Dans le monde de ténèbres, pour tuer quelqu'un, il n'a pas besoin de qualité de la nourriture, te donne juste une assiette. Tout ce que tu vas mettre là sera empoisonné. Amen. Alléluia. C'est pour dire, je passe à part la puissance de l'esprit, il faut associer notre vie, une intimité profonde qu'on appelle l'adoration. Ta vie doit être offrande d'adoration auprès de Dieu. Ta vie doit être agréable vers Dieu avant ton offrande. C'est pour cela que Jésus va dire aux pharisiens, il va dire, si quelqu'un parmi vous reconnaît qu'il y a un problème avec son frère avant de déposer l'offrande, qu'il ne dépose pas l'offrande, qu'il aille d'abord régler son problème. C'est d'abord sa vie qui m'intéresse, c'est d'abord son cœur qui m'intéresse, c'est d'abord sa personnalité qui m'intéresse. Ce n'est pas l'argent, tu peux donner l'argent, tu peux donner des millions, ce n'est pas ça. Mais ce que Dieu veut regarder en toi, c'est l'attitude de ton cœur. Comment ton cœur y est? Est-ce que ton cœur est sacrifié envers Dieu? La Bible dit, offrez à Dieu vos corps comme des sacrifices saints, irréprochables, agréables, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Le mot culte vient du mot grec qui veut dire adoration. C'est-à-dire avant d'offrir tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique, Dieu s'intéresse d'abord que ton cœur soit une adoration vers Dieu. C'est pour ça que le paralytique, dès qu'il est sauvé, la première des choses, il n'est pas allé courir à sa maison. Il est rentré dans le temple. La Bible dit, louant, sautant, chantant pour Dieu. Alléluia. C'est un signe prophétique. Lorsque Jésus va revenir, il va prendre l'église. Lorsque nous serons levés, nous ferons que ça. Sautant, louant, adorant Dieu. Alléluia. Qui symbolise davantage que Jésus revient, la gloire de Dieu est sur nous. Il n'y aura plus de prière. Il n'y aura plus de chasser les démons. Ça va finir. Parce que là, il n'y aura que... Je dépose ma coupe vers toi. Je dépose. Je dis saint, 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 saint. L'Éternel est saint. C'est tout ce que nous ferons. Nous adorerons Dieu. Mais il se passe une chose. Je vais m'arrêter peut-être par là. Est-ce que notre vie est agréable vers Dieu? Nous donnons les bonnes choses à Dieu, c'est bien. C'est très bien. C'est pas mauvais. David a dit, Dieu m'a béni. Je ne peux pas donner les mauvaises choses à ce Dieu qui m'a béni. C'est important, donner les bonnes choses à Dieu. Donner les meilleures choses, parfois c'est tout ce que nous avons, comme cette femme, pour qu'il y ait la provision dans ta vie. Il faut donner tout ce que tu as. Ça veut dire ce qui est le meilleur. Cette femme a donné ce qu'elle avait, le petit gâteau qu'elle avait. Et Dieu s'est révélé dans sa vie comme Jéhovah Jireh. Mais vous allez remarquer, pour que Dieu se révèle dans ta vie comme Jéhovah Jireh, c'est vrai que nous le chantons, mais nous ne le vivons pas encore. Pourquoi? Parce qu'il nous manque la révélation. Vous remarquez qu'Abraham, pour que Dieu se révèle tant que Jéhovah Jireh sur le mont Morija, il fallait qu'Abraham prenne ce qu'il y avait de meilleur. Abraham va dire à ses serviteurs en bas de la montagne, vous vous restez ici, moi et mon fils, nous montons sur la montagne pour aller adorer. Il a pris ce qui était le meilleur, mais avant il avait un enfant qu'on appelle Ismaël, mais ce n'était pas ça qui était meilleur. Mais ce qui était meilleur, c'est ce qui était de grave, comment il a eu difficilement, même s'il a eu difficilement, Dieu lui demande ce qu'il a eu difficilement. Mais si toi et moi on devait dire, non Seigneur, c'est difficilement tu me l'as donné, je ne peux pas te le donner, prends seulement ça là. Non, Dieu parfois attend que tu puisses nous donner ce que, ce où ton cœur est attaché, pour te faire comprendre, à part c'est bien, Dieu doit continuer à régner en toi. Il veut juste s'assurer qu'il est, il règne comme un roi dans ta vie. Mais plusieurs parmi nous, c'est nos biens, nos voitures, nos X, Y, Z règne, et Jésus s'y règne quelque part. Mais Jésus veut s'assurer qu'il n'y a que lui qui règne dans ton cœur. C'est pour cela qu'il te demande ce qu'il y a de meilleur pour toi. Il va prendre l'enfant. Ils vont monter sur la montagne pour aller adorer. Abraham était courageux. Abraham était un homme de foi. Il prend le couteau. Il veut tuer. Dieu lui dit, stop, calme. Maintenant là, j'ai compris. Amen.
Dieu veut dire à quelqu'un, bon, là, là, maintenant j'ai compris que Dieu est capable de tout me donner. Alors, Dieu va se révéler comme Jéhovah Jiré. Parce qu'il va pourvoir un agneau à la place d'Isaac. Quand Dieu peut te demander quelque chose de valeur, sache-le, je te donne un signe prophétique. Sache-le, tu sais qu'il a prévu quelque chose pour remplacer. C'est un Dieu qu'on appelle Jéhovah Jiré. Tant que ta vie ne sera pas une adoration pour Dieu, tu ne rentreras jamais dans la dimension davantage d'être, de vous rentrer dans la promotion de Dieu. La Bible dit, recherchez d'abord le royaume et tout vous sera donné par... Alléluia. Amen. La vie. Nous devons donner ce qui est d'excellent vers Dieu. C'est un signe de reconnaissance. Tout à l'heure, nous avons écouté la parole de Dieu. Dieu t'a dit, nous devons être fidèles. Il va nous bénir. Il est fidèle. Mais j'aimerais ajouter une chose. Dieu est fidèle. Mais il veut que tu sois reconnaissance. La reconnaissance que tu dois exprimer vers lui en premier lieu, c'est que ton cœur reste attaché à Dieu. Ne sois pas comme David. Dieu le bénit. Avant, il aimait Dieu. Avant, il chantait. Avant, il pouvait tuer Goliath. Mais quand il est devenu roi, il a commencé un peu. Après, il a semblé. Il fallait Dieu utilise Absalom. Dieu peut utiliser des Absalom dans ta vie pour te réveiller, pour rallumer la flamme de l'adoration, de l'intimité. Alléluia. C'est pendant la révolte qui a duré 4 jours d'Absalom que David a compris qu'il était loin de Dieu et que Dieu l'a réveillé. Et lorsqu'il est revenu, la Bible dit, on entendait dans le temple, dans le palais, le son de l'arbre tous les jours. Il avait réconcilié, ramené. Dieu a utilisé la correction pour pouvoir améliorer la vie de son fils. Alors allume le feu. Tu veux que Dieu puisse pourvoir tes besoins? Allume le feu. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on peut opérer des miracles. Ce n'est pas nous, bien-aimés, c'est le Saint-Esprit. Mais l'Esprit de Dieu a besoin des hommes et des femmes audacieux. Il est temps que l'Église se lève. Il est temps que nous allumons ce feu. Le feu de la prière. Et la Bible dit que le feu brûlait continuellement. Comme conclusion, il peut arriver des moments difficiles dans ta vie. N'éteins pas le feu. Alléluia. Ajoute le bois. Maintiens la flamme. Si tu tombes, relève-toi. Continue la course. Dieu est avec toi. Dieu veut accomplir quelque chose de particulier avec l'Église, avec vous. Je suis convaincu. Il y a un vent nouveau que Dieu est en train de souffler. C'est pour cela, pour que vous manifestez le caractère de Dieu, le Fils du royaume, vous devez maintenir la flamme à lui. Amen. Parce que la Bible dit, on met la fin d'une chose que son commencement. Est-ce qu'on peut se lever, on acclame le Seigneur, on va prier. Nous allons prier le Seigneur. J'aimerais que chacun de nous entre vraiment dans une profonde, dans un... Tu peux prendre la position qui t'intéresse, mais nous allons prier. Nous voulons vraiment prier ensemble. Et je ne sais pas ce que Dieu fera, mais je suis convaincu qu'il est en train de faire quelque chose dans ta vie. Les écailles qui sont en train de tomber, il est en train de restaurer ta vie. Commence à lever ton cœur.